Il existe une montagne que nul ose n'affronter. Elle domine le paysage, tout comme la peur et les souvenirs de ce qui y vivait autrefois. La mémoire s'estompe, tandis que la rumeur enfle, la rumeur de l'or. Une chose est certaine, la première personne à escalader la montagne blanche sera une personne avide, stupide ou fanatique, mais aussi peut-être chanceuse. Vous avez quitté Crosstown après avoir remis à neuf vos équipements et complété vos victuailles. Le village d'une centaine d'âmes subit le climat rude des montagnes qui, heureusement pour vous, n'a fait que renforcer le cœur chaleureux des hommes et des femmes qui y vivent. Malgré les conditions de vie difficiles dans ce lieu oublié du reste du monde, tous s'entraident et accueillent avec bienveillance les rares aventuriers de passage. À la taverne, pendant que vous réchauffiez vos eaux gelées, la rumeur de l'or et du danger vous interpelle. Face à votre volonté de gravir la montagne, de nombreux visages se sont fermés et les plus courageux ont même tenté de vous dissuader sans vraiment vous donner de raison. L'appel de l'or est puissant, mais l'atmosphère funeste qui se dégage des entrailles de la géante de pierre dissuade les habitants de s'y aventurer. Toutefois, votre avidité et les talents de persuasion d'Almar Tragella, l'elfe qui vous a mis sur la piste de ce trésor inespéré, ont été plus forts que les avertissements prodigués. Et après une nuit de sommeil des plus reposantes, vous faites vos adieux à l'aubergiste avant d'entreprendre votre ascension. À vous maintenant, est-ce que vous voulez bien me présenter vos personnages? Donc, on commence par Almar. Eh bah ouais, allez, je vais commencer. Donc moi, je joue Almar Tragella, qui est un elfe. Comme on en voit beaucoup, mais comme on en imagine surtout beaucoup. Il est assez grand, il est très mince, il est très blond, il a des grandes oreilles pointues, il a une espèce d'élégance. Alors c'est une élégance un peu particulière, c'est-à-dire qu'il a des beaux vêtements, mais un peu passés quand même. On sent que les vêtements n'ont pas été forcément nettoyés récemment, qu'ils ont peut-être un peu vécu et qu'il ne les a pas changés depuis un petit moment. Mais on sent qu'il essaye quand même d'être bien habillé, bien présenté. Il parle beaucoup à la taverne, effectivement. Il accostait un peu n'importe qui pour parler de ce qui se passait sur la montagne, qu'il y avait ce trésor incroyable, la richesse assurée pour toutes les personnes qui surmonteraient la peur. Mais oui, bien sûr, je peux vous guider pour y aller, il n'y a aucun problème, il va marcher devant quand même, parce que voilà. Vous êtes intéressé par pas du tout par l'or, mais il n'y a pas de souci, il y a aussi des démons à exorciser, pas de souci. Voilà, il y a un petit côté entre le barde et le marchand dans sa façon de parler. Et puis, il a une fâcheuse manie à fumer la pipe d'une substance malodorante et qui dégage une fumée un peu opaque, qui fait tousser toute personne qui s'approche un peu trop de près de lui quand il a sa pipe à la bouche. Mais il semble la téter avec beaucoup d'avidité. Voilà. Pour Almar. Et clairement, lors de l'ascension de la montagne, il va pas devant. Ça marche, merci. Ensuite Je t'en prie, vas-y. Ouais, très bien. Du coup, donc, quand vous regardez Hull, vous voyez un homme de la trentaine, plutôt propre sur lui. Porte une belle armure en cuir. Elle est d'ailleurs rutilante. À savoir s'il la frotte tous les jours ou s'il s'en sert pas beaucoup. En tout cas, il est convaincu de son avenir d'aventurier et il essaye de jouer son jeu. Du coup.
Je pense que c'est pas mal. Et puis voilà, il a les cheveux attachés en arrière, bien rasés sur les côtés, des yeux bleus. Ce qu'il recherche, lui, c'est l'aventure. Et vous sentez peut-être qu'il a quelque chose à prouver ou à se prouver à lui-même. D'accord. Ok, donc moi, je suis Tevias Potter, un petit alphelin qui est jeune, j'ai que 17 ans. Moi, depuis ma tendre enfance, j'ai été bercé par les histoires d'aventuriers que mon père me racontait au coin du feu. Mis à part ça, j'ai toujours eu une vie très tranquille dans ma petite ville. On était des éleveurs de moutons. Sauf que moi, la vie tranquille, c'est pas vraiment ce qui me plaît. Je préfère la nature, vivre vraiment. Et du coup, j'ai décidé de quitter la maison après une dispute avec mes parents et de vivre les aventures comme je les ai lues dans les livres. Sauf que bah, les aventures dans les livres et la réalité, c'est deux choses complètement différentes. Et du coup, j'ai rejoint il n'y a pas longtemps donc Hull, que je considère être comme un mentor pour moi, vu sa carrière d'aventurier. Et du coup, j'ai peu de possessions, beaucoup, une grande envie d'aventure, même si bon, je suis pas forcément préparé pour la vie réelle. Et je suis peut-être un peu naïf aussi, du coup. Et moi je joue Darama Virodi. Darama c'est un homme plutôt androgyne, d'après les traits que vous avez pu voir, plutôt âgé, la cinquantaine peut-être. Il a la peau brune, les cheveux noirs, mais surtout il a la peau qui est couverte de cicatrices, de traces de brûlures. Et il porte constamment un masque de médecin, hein, simplement, qu'il n'enlève que pour manger. Et quand il l'enlève, vous voyez le visage d'un homme qui aurait pu être plutôt beau, plutôt séduisant, mais qui aujourd'hui est encore une fois recouvert de ses cicatrices, de ses presque des traces de scarification. Et il a l'œil dans le vide. Un peu triste, et je dis l'œil puisqu'il n'en a plus qu'un. Le deuxième a été sectionné avec une large cicatrice. Il porte souvent un bandeau d'ailleurs pour couvrir cette marque-là. Et malgré une attitude, enfin une apparence plutôt repoussante, on va pas se mentir, c'est finalement quelqu'un qui est très doux, qui est très gentil. Il s'excuse constamment quand on vient lui servir à boire. Merci, désolé de vous avoir importuné. Il a une voix très calme, très douce. Et il regarde ses compagnons qu'il vient de retrouver et il regarde le petit alphelin avec un œil un peu particulier, une lueur dans son œil restante que vous n'arrivez pas encore tout à fait à décrire. Il porte une armure de plate, de pardon, de maille, une côte de maille qui est usée par le temps. Elle est dans un état déplorable, elle est à moitié rouillée. Il porte une rapière qui semble presque être élimée, même si vous vous doutez que ce n'est pas le cas. Et surtout, il porte à sa hanche un fouet fait de lanières de cuir et entremêlé de crochets de fer. J'ai un off-cut pour nous mettre dans l'ambiance, c'est ça? On m'a dit c'est de la dark fantasy, ils sont là, oui, mais je tu suis as tout tout à gentil, fait. je découvre le monde. Bah non, moi je l'ai découvert le monde et on va en chier, les gars. Mais c'est cohérent, hein, il est plus âgé et tout, ton perso. Il en a vu d'autres. Et du coup, au niveau de votre groupe, s'il y en a un qui veut bien expliquer comment vous êtes retrouvés ensemble. Ouais, bah je où tu veux y aller Non, 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 j'allais dire, c'est plutôt à toi. Ok. Ouais. Bah effectivement, Hull et Tevias se promenaient. Alors, on n'a pas statué exactement où est-ce qu'on s'était retrouvé, mais j'imagine à Crosstown. Oui. C'est ça. Hull et En fait, c'est Tevias ça. devaient se retrouver à la taverne pour voir s'il y avait des quêtes à faire, j'imagine.
Oui, et puis se reposer, certainement. Se reposer. Ouais, Dharma, que faisais-tu à cette taverne, d'ailleurs? Je priais. Tu priais. Et que fais-tu dans la région, de manière générale? Je cherche les spots d'hérétisme. Mon objectif, c'est de répandre la bonne parole par tous les moyens. Et j'ai cru comprendre que dans ces montagnes, il y avait quelques groupes païens qui méritaient un peu la seule et unique voie possible. Et effectivement, à un moment, il y avait cet elfe qui essayait de discuter avec le tavernier, d'essayer de le convaincre qu'une bière de plus, même s'il n'avait pas assez d'argent pour la payer, il s'arrangerait. L'aubergiste refusant, l'elfe se retourne vers l'assemblée et commence à parler de la légende du trésor de la montagne blanche, c'est ça ? Du trésor de la montagne blanche. À qui veut bien l'entendre, et puis il s'approche des deux aventuriers, Hul et Tevlas. C'est Tevlas ou Tevias? Tevias. Tevias, oui. Tevias, de Hul et Tevias, pour leur parler d'un trésor incroyable qu'il y a sur cette montagne. Et puis il s'est approché un peu de Dharma en parlant du trésor, et rapidement il a vu que ça marchait pas très bien. Mais bon, oui, il y avait aussi une présence hérétique importante, un culte terrible qu'il faut absolument. Bon, il y a plus grand chose, hein, mais il y a certainement des traces. Et voilà. Voilà. Donc en gros, Almar a essayé un peu de vendre cette aventure. Clairement, il a vendu l'aventure, quoi. Ouais, c'est ça. Au groupe d'aventuriers, il a fait le promoteur d'aventure. Vous avez senti dans son ton que bon, s'il pouvait récupérer un peu de thunes et se payer des bières le lendemain, enfin au retour. D'ailleurs, je t'ai prêté de l'argent pour payer tes bières finalement. Exactement, tu m'as prêté de la thune pour payer ces quelques bières que j'ai évidemment justifiées sur le fait que notre groupe nous mènerait dans une grande entreprise couronnée de succès sans aucun souci et qu'une fois de retour en ville, nous festerons joyeusement. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Merci. Donc, vous avez quitté le village et vous avez commencé l'ascension dans la montagne. 20h, à peu près. C'est le temps qu'il vous a fallu pour enfin percevoir les premiers signes de vie depuis votre départ de Crosstown. L'ascension a été particulièrement difficile à travers la forêt. Le blizzard s'est abattu sur vous en vous écartant du chemin. La vue d'une meute de loups au loin n'a fait qu'augmenter la route puisque vous avez encore dû contourner pour essayer de les éviter car ils étaient un petit peu nombreux pour vous. La neige qui arrive parfois au niveau de vos genoux ralentit aussi la progression. Au niveau de... Mais ouais, au niveau du bassin à peu près. Sous le menton. Il y a juste une tête qui se déplace dans la neige. Éreinté, vous parvenez au prix de grands efforts à retrouver le chemin initial. La marche se fait alors plus aisée pendant quelques centaines de mètres, comme si le chemin était régulièrement emprunté. Alors que vous méditez sur ce point, la première chose qui vous frappe est l'odeur pestilentielle qui flotte dans l'air. Des effluves suffocantes que vous identifiez facilement comme de la chair en décomposition. Puis, à mesure que vous vous approchez, vous apercevez une hutte rudimentaire cernée par un enchevêtrement chaotique de viande, de peau suspendue à des intestins, de sang à différents stades de coagulation, de plaques de bois gravées, de petits animaux empaillés, d'outils éparpillés. Quand vous approchez encore un petit peu plus, vous commencez à percevoir une grande peau sur laquelle le nom de Maribel Walker est écrit en lettres de sang et surplombe une grande plaque de bois. Maribel Walker ? Maribel, M-A-R-Y-B-E-2-L-E et Walker, Walker. Maribel. Comme le nom de famille, est écrit en lettres de sang et donc surplombe une grande plaque de bois. Et puis quand vous regardez autour, vous constatez qu'il y a d'autres peaux qui portent elles aussi des noms, un petit peu partout. Et derrière la hutte, le bruit du bois en train d'être coupé trahit la présence de quelqu'un. Peut-être le propriétaire des lits. Donc ça a l'air sacrément hérétique tout ça. Je confirme. C'est une bien étrange décoration. Je confirme aussi.
Est-ce que vous Et je pensez... pense que je vais aller repérer les lieux à l'arrière. Je vous laisse aller discuter avec le propriétaire des lieux, hein. Et là, je m'allume ma pipe qui commence à fumer Je peux essayer d'aller un peu observer tremblant. discrètement ce qui se passe derrière. Ouais, tiens, c'est une très bonne idée. Soit discret, hein, quand même, mais c'est bien que ce soit ça qui aille, ouais. Ok. Du coup, bah, j'ai essayé de contourner justement la maison pour essayer de voir d'où vient le bruit, tout en me faisant tout petit pour ne pas me faire... Pour ne pas me découvrir ma présence. D'accord. De toute façon, t'entends des grands coups de hache et de bois qui est en train d'éclater. Donc, niveau bruit, Ouais, je suis couvert. t'es quand même relativement couvert. Enfin, faut pas se mettre à crier ou à éternuer, mais t'es quand Ouais. même couvert. Fais-moi un Donc, jet quand tu d'éternuement. vas. J'ai éternuement. Allez. Donc, quand tu contournes la hutte, tu vois une silhouette énorme, alors encore plus à ton échelle, hein, vraiment un colosse, recouvert de peau de bête, qui est en train de. Tu le vois de dos, hein, donc tu vois pas son visage, qui est en train justement de couper des rondins de bois, peut-être du bois de chauffage ou ce genre de choses. Et il a l'air totalement absorbé à sa tâche. Quand tu l'observes, tu remarques donc ces fameuses peaux de bête. L'odeur est de plus en plus forte aussi. Hein. On sent que l'odeur, elle émane pas que de ce que vous avez vu en fait. D'accord. Cette odeur de sang un peu coagulé, enfin voilà, de mec qui a pas pris un bain depuis longtemps aussi a priori. Voilà, ce genre de choses là, là ça devient de plus en plus présent. Bah déjà parce que tu es proche de la hutte et parce que tu te rapproches de lui. Et donc il est en train de couper du bois. Et tu remarques, hein, il a différents types de petits couteaux, de trucs à la taille des sacoches. Tu vois que c'est un homme en fait. D'un coup d'œil, tu arrives à voir que c'est un homme quand même qui vit et qui survit dans la nature. Est-ce Voilà, que je vois de qu'il est façon. vraiment, enfin, qu'il est tout seul, il n'y a personne d'autre autour? Non, il n'y a que lui. Il est vraiment seul, d'accord. Je vais En tout cas, retourner tu voir. perçois rien qui t'indiquerait qu'il y ait quelqu'un. Oui. Hein. Il n'y a pas de bruit qui vient de la hutte, il n'y a que le bruit D'autres mouvements. de cette hache sur le bois. Je vais retourner voir mes camarades et leur décrire du coup la scène. En exagérant bien sûr la taille du géant qui est en train de couper du bois. Derrière la maison. Quand tu mentionnes ça, je me crispe un peu et je commence à mettre la main sur mon fouet. Grand comment? Au moins un sapin. Oh. Et à quoi il ressemble? On dirait un énorme mammifère plein de peaux d'animaux les uns au-dessus des autres. Oh. Tu vois pas son visage, mais tu sens que l'excitation qui monte chez Darama. J'ai cru voir quelques couteaux ou quelques dagues, il est peut-être même armé. Ah. Bon, je veux pas dire les amis, mais il commence à faire sacrément froid. Je serais assez pour qu'on passe la nuit dans cette cabane. L'autre a pas l'air spécialement sympathique, donc je peux essayer d'aller lui parler, mais à mon avis, t'as de meilleurs arguments, Darama, pour négocier avec lui. Ah, vous voulez que j'aille lui parler? Moi? Non, négocier avec lui, enfin voilà. Peu importe ce qui se passe, quoi. Enfin, je suis pas très regardant. Ah si, ça vous va. Peux te suivre de quelques mètres, pas plus. Ma maman, elle disait pour faire connaissance, rien de mieux qu'une bonne tourte. Mais malheureusement, j'ai pas pris de tourte. Peut-être qu'on pourrait cuisiner. Je pense qu'il va falloir d'abord demander si on peut accéder à la cuisine. Donc, Vous voulez que je le cuisine, du coup? Ça, c'est une attitude que j'aime bien. Écoute, t'as qu'à aller lui parler, voilà, je reste derrière et je m'assure qu'il fasse pas n'importe quoi. D'accord. Du coup, je me dirige vers la création. Qu'est-ce que tu fais du coup? Parce qu'il est toujours en train de couper son bois, il est de dos, hein, donc
Il est vraiment derrière sa lutte. J'arrive derrière lui à portée de bras, un peu inconscient, et tout doucement, avec une voix toute calme, qu'il n'entendra peut-être même pas, excusez-moi, pardon, désolé de vous déranger. D'un coup, t'as la hache qui s'abat une dernière fois sur le tronçon et il s'arrête. Tu le vois se redresser, donc déjà qu'il était imposant, mais vu qu'il se baissait à chaque fois, tu donnes vraiment l'impression que c'est d'une grande inspiration et que son dos s'élargit encore un peu. Et il va se retourner vers toi. Et tu vas voir un homme hirsute, vraiment avec la barbe, les cheveux complètement mêlés, avec des choses peut-être un peu indéfinissables à l'intérieur, des yeux noirs très enfoncés dans ses orbites. Et il va prendre une grande inspiration et il va commencer à parler d'une voix très lente, très grave. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je me nomme Darama Virodi. Je suis de passage et mes compagnons et moi souhaiterions passer la nuit dans votre résidence. Si bien sûr vous nous l'autorisez, nous ne sommes que de passage, le nom de la ville en contrebas, Crosstown. Il pousse un soupir grognement un peu presque. Hein. Tu sens vraiment c'est un homme très rustre qui a pas vraiment l'habitude d'être en contact avec avec beaucoup de gens. Hein. Et il te regarde et puis il dit mais quand enfin vous qui vous parce que là a priori si j'ai bien compris il voit toi il voit Hul qui était derrière non il voit Almar et Tedias et Hul vous êtes toujours derrière la hutte ou vous avez suivi aussi non moi je suis avec derrière Almar Il y a trois têtes qui dépassent de la hutte pour voir comment ça se passe. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok. Qui ça vous ? Et puis, du coup, bah, il va lever la tête, il va regarder autour et puis il va voir les trois petites têtes comme ça en train de regarder ce qui se passe. Et soit. Venez avec moi. Et donc il laisse en plan ce qu'il est en train de faire et il est en train d'approcher vers vous trois en fait. Hein, il te contourne en fait complètement et il va s'approcher vers les autres en direction de l'avant de la hutte en fait, l'extérieur à l'avant. Une fois qu'il est là, j'imagine que vous êtes voilà un petit peu rassemblés autour de lui. Il vous pointe du doigt un feu qui est à l'extérieur, avec un rondin ou deux au sol, voilà, comme presque un petit campement, quoi, à l'extérieur de sa hutte. Et puis, il vous dit, et si on commençait plutôt par casser la graine, quoi. Ah, volontiers. Pas bonne idée. Mais oui, donc, oui, je suis d'accord. Hein. Installez-vous, et vous le voyez en fait re-rentrer dans sa hutte. Vous voyez déjà qu'en fait il y a déjà un petit chaudron avec un liquide à l'intérieur qui est en train de bouillir. Mais il rentre dans sa hutte et vous l'entendez farfouiller en fait quelques instants. Qu'est-ce que vous faites ? Donc nous on est dehors et lui est reparti. Ouais, lui il est rentré dans sa hutte en train de chercher quelque chose, vous savez pas quoi. Il vous a juste dit de vous installer autour du feu. Moi, j'épouste la neige qui a partout, qui a pu se faufiler dans mes vêtements. Et je me réchauffe gracieusement auprès du feu. Moi, je fais un peu le tour de la maison, un peu pour observer, voir si je repère pas des signes distinctifs d'un culte quelconque. Quelque chose qui me justifierait de m'en prendre à cette personne. Je cherche de quoi me justifier de m'en prendre à cette personne, si c'est plus clair comme ça. D'accord. Je regarde un peu à travers les barreaux de... Enfin, les planches de la hutte pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voir s'il y a des trucs un peu précieux.
Je pense que Hul lâche un petit... les pots, là, c'est des connaissances à vous? Il est dans la hutte, là, pour l'instant. Il n'est pas auprès de vous pour le moment. Il est en train de chercher un truc dans sa hutte et vous êtes auprès du feu. Donc, c'est à toi de voir si tu vas dans la hutte pour l'interroger ou si, si tu attends qu'il revienne. Ouais, je pensais glisser ça entre enfin, justement, dans l'entremâillement de la porte. D'accord. Les pots, tu arrives à voir que c'est des pots de bêtes. Hein, Ah d'accord, j'imaginais autre chose. Ah ouais, non, voilà, non, des pots de bêtes avec des noms de gens dessus. Voilà. Ok, d'accord. Écrit avec du sang, mais c'est des pots de bêtes. Ok, du coup, j'aurais plutôt tendance à dire, du coup, vous vivez seul ici? Un truc comme ça. Oui. C'est très lapidaire. Hein. Oui. Bon, super. Juste pour répondre, enfin, il est pas désagréable quand il parle, mais juste, voilà, il économise ses mots. Pour répondre à la question de par rapport à Darama, à ce qu'il est en train de faire, en fait, tout ce que tu vois, c'est ses peaux de bête, les viscères un peu à droite à gauche, au fur et à mesure, qui voit qu'il fait de la taxidermie, qu'il empaille des animaux. Okay. Ouais, voilà, ambiance trappeur, si ce n'est ces plaques de qui semblent être du bois avec ces peaux de bêtes, avec des noms de gens écrits avec du sang dessus, quoi. Enfin, avec du sang. Donc c'est la seule chose qui pourrait te paraître surprenante ou étrange. Mais en dehors de ça, t'as pas de, enfin après voilà, tous des petits animaux, des machins, tout ce que tu trouverais dans une cabane, enfin dans un lieu de vie d'un trappeur, d'un bûcheron. Rien de surnaturel, rien de d'occulte, justement. À première vue, rien d'occulte, hein, honnêtement. Et rien de valeur. Non plus. Tu vois que c'est très simple, hein, comme mode de vie. Hein. Dans la hutte, quand tu regardes par les... C'est des... En fait, ça ressemble un peu à une tente, hein, avec des pots tendus, etc. On n'est pas sur une construction vraiment en dur, même si c'est du semi-permanent. Ça donne un effet semi-permanent, mais vu comme il est installé, vous vous doutez qu'il vit là tout le temps. Mais ça donne une impression un peu de truc qu'on pourrait déplacer assez facilement. Donc, t'arrives à voir entre les pots un petit peu. Un espèce de fatras d'un peu tout et rien, des outils, des petites statuettes en bois qui sculptent, des animaux qu'il est en train d'empailler, un lit, voilà, des choses très, très basiques, très rudimentaires, et puis plein de bric-à-brac, de choses qu'il doit ramasser pendant ses expéditions en forêt. Ouais, rien qui se vend, quoi. Ça n'a pas l'air de... Ça respire pas l'argent, quoi. Donc voilà. Donc, au bout d'un moment, si... Enfin, sauf si vous voulez interagir sur autre chose, mais au bout d'un moment, il va ressortir et s'approcher de vous avec un espèce de petit sac en main et un autre un peu plus grand. Et en fait, donc dans l'eau qui est en train de bouillir, il va aller plonger sa main dans le sac et il va mettre une poignée d'herbe dans l'eau. À l'odeur, ça sent un peu la tisane, hein, ça sent les aiguilles de pin, ça sent voilà ce genre de choses. Et il va ouvrir la sacoche un peu plus grande et il va vous tendre ce qui ressemble à de la viande séchée. Hein. Clairement. Bien. De quoi c'est pas identifiable immédiatement, mais c'est ce qu'il va vous tendre. Il va vous tendre de la viande séchée. Et il me dit mangez. Pendant qu'il est en train de verser sa petite tisane une fois qu'elle aura infusé, quoi. Moi je me fais pas prier. Je mange la viande. Et j'allume ma pipe en même temps. Ça fait une fumée dégueulasse. Ça me fait tousser de ouf. Ouais, je vais prendre, je vais lui dire merci avec un grand sourire, puis je vais bien inspecter la viande en mode mais qu'est-ce qu'il vient de me donner là, j'ai jamais connu ça, et finalement je vais croquer dedans, je vais vouloir lui annoncer mes critiques, puis je vais me raviser et je vais juste finir mon morceau de viande. C'est sec, hein, c'est bien séché, hein. Il faut mâcher. Ouais. Je prends un morceau de viande, je croque volontiers dedans et je regarde notre alphelin et je lui dis de la viande d'aventurier, ça.
Ah, ben là, ça me redonne du baume au cœur et je mange d'autant plus. Je mange pas tout de suite, moi je vais attendre de voir ce que ça donne chez eux. D'accord. Donc il vous sert votre tisane et puis lui il s'assoit aussi et il commence à croquer dans son morceau de viande parce qu'à mon avis ça fait un moment qu'il y est en train de couper du bois, donc là c'est l'heure du casse-dalle. Et il mange en silence, il mâche et il vous regarde, il vous observe. Ouais, moi je lui adresse la parole gentiment, enfin, vraiment comme si de rien n'était. Je lui dis, donc il y a du passage un peu dans le coin là, il y a un peu des gens qui montent sur la montagne. Des gens qui montent sur la montagne. Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Vous Et savez, c'est. cette montagne, peu de gens en reviennent. Ah oui, c'est effectivement c'est ce qu'on dit sur la montagne. Elle est un peu hantée, ou qu'il y a beaucoup de gens qui y restent. Hein. Mais vous viviez tout seul, vous? Comment vous, de quoi vous vivez? Vous chassez, je ne sais pas. Moi, je suis là depuis toujours. Je suis née sur cette montagne. Et du coup, vous connaissez les histoires sur la montagne? Ça fait. Oh oui, une histoire au coin du feu. Ouais, c'est peut-être pas l'histoire que t'as envie d'entendre. Moi, en vous le revanche, j'ai voyez, envie de vous l'entendre. regardez et hésitez. Il hésite, hein, vraiment, il hésite beaucoup. Et vous sentez que c'est un peu. C'est pas que c'est difficile, mais il va juste vous dire, c'est des vieilles histoires, ça. Ça remonte à il y a beaucoup trop longtemps. Moi, j'étais un enfant. Je me rappelle pas bien. Puis de toute façon, je suis jamais allé plus loin que la première pièce de la cabane. Je vais le regarder droit dans les yeux, donc je porte toujours le masque. Et la voix à travers le masque, bon, est toujours forcément un peu étouffée, mais là, la voix va être un peu plus étrange, un peu grave, un peu grandiose, un peu comme la voix dans Dune, ceux qui ont vu. Et je vais lui dire, racontez. Avec cette voix qui fait. Et je lance le sort ordre. D'accord. Si elle a. Alors attends, il y a un truc. Si la cible a 5 niveaux ou dés de vie de plus que le lanceur du sort, ou si elle a une intelligence inférieure ou égale à 12, elle peut faire un jet de protection contre les sorts. Ok. A priori, non. Il va même pas essayer de se défendre. Peut-être qu'il peut pas d'ailleurs, hein, ça vous savez pas. Mais il a l'air quand même plutôt passif, hein, dans son attitude, donc limite, il va se laisser faire. Il va te répéter un petit peu la même chose que ce qu'il a dit auparavant. C'était un enfant à l'époque. Il n'a jamais été voir plus loin que la première pièce de la cabane. Il vaut mieux laisser l'endroit tranquille pour lui. Et cet endroit, il n'apporte que du malheur. Et après, il va quand même se souvenir. Il va te raconter ce qu'il peut te raconter en lien, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il était quand même très jeune à l'époque. Quand j'étais jeune, le mal habitait cette montagne. Il fut détruit, mais non sans avoir emporté des milliers d'innocents. Entassés dans des fosses communes, sans véritable rite ni prière, ni pierre tombale. Perdu pour les dieux et la mémoire des hommes. Personne ne s'en est plus soucié. Le mal avait disparu, c'était tout ce qui importait, pas moi. Les visages, c'était des vrais hommes, des vraies femmes. Et ils ont également tué les enfants. Ils faisaient des choses et avaient des noms. Et je graverai chaque nom que je peux trouver sur une pierre. J'ai fabriqué des cairns, des statues, mais il y a eu trop de morts. Et il y en a encore. Les hommes mauvais avaient une liste de noms dans leur ancien lieu de rassemblement. J'en copie une centaine à la fois. Je n'en verrai jamais la fin. Je suis trop vieux et probablement le seul qui se souvient. Tant de... Et après, tu vois qu'il que, qu'il,
qui s'arrête. Dites-moi, les gens dont vous parlez, c'est eux qui avaient un trésor ? Forcément, ils avaient des breloques, des bijoux. Mais est-ce que ce trésor vaut votre âme ? Oh, non, non, bien sûr. Non, c'est par curiosité. Hein. Mais si jamais on voulait, je sais pas moi, vous aider à vous venger, ou voilà, aider la mémoire de vos amis, c'est quoi la probabilité de chance qu'on tombe sur les restes de ce trésor? Ça n'a rien, j'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas besoin de trésor, moi. Ouais, non. Tant mieux. Moi, tout ce que je sais, c'est que il faut pas qu'on les oublie, c'est tout. Oui. Non, mais c'est important la mémoire des gens qu'on a perdus. Très important. Mais j'arrive pas à m'enlever cette idée. Voilà, s'il y avait un culte, il y avait des noms, il y avait bien quelque part où ils gardaient un peu, voilà, les richesses. Bon, bref. Je sais pas. Vous avez parlé d'un endroit où il y avait des noms. C'est quelque part plus haut dans la montagne, c'est ça? C'est vers le cimetière, mais non, il faut pas aller là-bas. Mais pour quelle raison? Moi, si j'y vais, c'est juste pour les noms des personnes. C'est passé là-bas. C'est déjà un début. Voilà, vous y allez pour les noms des personnes. Eux, ils vont y aller. Je désigne Ulé Tevias. Eux, ils vont y aller pour l'aventure. Voilà. Mais ce n'est pas un jeu. Tous pour quelque chose. Non, c'est pas un jeu, non. C'est une façon de. Vous allez déranger les gens qui se reposent là-bas. C'est tout ce que vous allez faire. Mais non, vous récupérez leur nom. Nous, on récupère ce qu'ils ont plus besoin. Chacun y trouve son compte. Vous savez, quelque part, récupérer les affaires des gens qui sont morts, c'est un peu faire vivre leur mémoire. Hein. Exactement. D'ailleurs, moi, j'ai un colis qui appartenait à ma mémé, et j'y pense souvent quand je le regarde. Ouais, et moi, ma veste, elle appartient à... je sais pas exactement à qui, mais voilà, cette personne vit un petit peu à travers mes aventures. Je regarde mon fouet. Je regarde dans le vide, il n'y a rien. Non. Il regarde son fouet et les petits bouts de peau qui sont encore accrochés. Qui sont encore accrochés, ouais. Et après, je regarde l'alphelin. Il claque sa main sur sa cuisse, il dit « Assez parlé de cet endroit maudit. Et le putois, il était bon ?» Ah, c'était du putois. Ah, excellent. Bien. Un peu dur, certes, mais excellent. C'était pas bon, mais c'était de la nourriture d'aventurier, alors ça me va. Voilà, on critique pas la nourriture offerte. Hein. Ah, pardon. Toute personne qui nous fait don du manger, du boire et de l'hospitalité mérite notre respect. Voilà, ah, donc, oui. Le putois était particulièrement satisfaisant. Dites-moi, les peaux dehors, elles sont destinées à quelqu'un, quelque chose en particulier ? J'ai pas pu m'empêcher de voir qu'il y avait écrit certaines choses dessus. Non. Avec du sang. C'est les noms des morts. Vous les connaissez particulièrement ? J'étais enfant, mais je peux pas connaître des milliers et des milliers de personnes. C'était qui, Mary Bell Walker ? Je dis ça en point contre du doigt la peau. C'est un des noms que j'ai trouvé. J'essaye de leur donner une tombe à ceux qui n'ont pas eu de tombe. Il est loin, ce cimetière ? Non, pas si loin, mais... Et par rapport au sommet ? Plutôt au milieu du chemin ? À la fin du chemin ? Bah, parenthèse, là, vous êtes quand même quasiment au sommet. Hein. Ça fait 20 heures que vous marchez. Ah oui, oui, enfin, c'est,
C'est plus très loin, c'est quelques mètres, quelques centaines de mètres, un peu plus haut. Mais de toute façon, il ne faut pas y aller. Je ne peux pas vous laisser y aller. Non, mais... C'est trop dangereux. Vous avez entendu, les amis? Il ne peut pas nous laisser y aller. C'est très gentil à vous de nous sauvegarder comme ça. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. Vous avez nos noms. Si vous nous retrouvez, nous pourrons avoir une sépulture, comme vous savez les faire. Il y a déjà assez de morts là-haut. En fait, ce qu'il expliquait tout à l'heure, c'est quand même qu'il y a des milliers de cadavres enterrés dans des fosses communes. Et c'est ça, en fait, qu'il fait en notant les noms sur les pots, etc. Oui, il essaie de leur redonner une sépulture, en fait. Ils n'avaient pas Hull avec eux. C'est un grand aventurier, Hull. Tout à fait, oui. Les grands aventuriers, j'en ai déjà vu. Si vous, ils sont pas nombreux. Si vous êtes si inquiet pour nous, que vous pourriez nous accompagner, après tout. Ah non. Moi, je ne monte pas là-haut. Je ne monte plus là-haut. Depuis que j'ai récupéré les noms, je ne monte plus. Il y a une malédiction partout dans ce lieu. C'est maudit. Peut-être, est-ce que vous voulez qu'on vous ramène d'autres noms? J'ai récupéré une... C'est bon. Mais là-haut, c'est maudit. Il faut plus y aller. Très bien, bah on n'ira pas. Et là, je fais un petit clin d'œil à Tevias. Et moi, je hoche la tête, du coup. Du coup, vous allez redescendre? Oh, bah demain. Oui, après la nuit. Oui, vous pouvez nous passer la nuit ici, après tout. Et puis, du coup, je fais un clin d'œil à Hull. Pas plus discret, quand même. J'ai presque eu envie de te faire un jet, mais on va dire qu'il est déjà occupé. Ça fait deux clins d'œil en pas longtemps qu'il passe. Ce serait légitime. Bon, il se fait tard. Si vous voulez vous installer, c'est maintenant. Ouais, avec, ouais, bon, avec grand plaisir. Dans la lutte. Le buteau était mangeable, mais la tisane a été très bonne. Merci. Je vais aller fumer dehors un petit peu, si quelqu'un veut m'accompagner. Pas de soucis. Hein. J'adore le tabagisme passif, je te suis. C'est pas du tabac, mais très bien. Bah moi aussi, il y va, je vais avec lui. Du coup, juste avant, il vous montre où installer vos... Alors, la hutte est très petite, hein, donc c'est un peu collé serré, mais au moins, vous serez à l'abri du vent et de la neige, quoi. Il vous étale des pots par terre. Ça sent encore plus fort à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'ailleurs, même lui, hein, comme je disais tout à l'heure, et là, vous vous en rendez encore plus compte maintenant que vous avez discuté, que vous étiez vraiment proche de lui. Il y a vraiment cette odeur de sang, d'animal mort qui est sur lui en permanence, quoi. Il n'y a pas de nom sur les pots qu'il a étalé par terre. Non. Ah non, il respecte trop les morts. Ouais. Mais... Voilà. Donc après, à vous de voir, lui, il va finir de ranger un petit peu son campement, et puis, enfin, son campement, son bois, son machin. La nuit va pas tarder à tomber quand même. Ça, vous êtes parti, mais ça fait quand même un haut marché. Et après, il va aller se coucher, tout simplement. À moins qu'Alma ait quelque chose. Non, c'était. Oui, c'est ça, Alma qui. À moins que vous vouliez interagir avec lui sur autre chose, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Quoi. Bah, j'allais dire, à moins qu'Almar ait quelque chose à nous dire en sortant, parce que je pensais que c'était un message. Ah oui, c'était clairement un message. Voilà, j'allais dire, sinon j'irai aider le vieux à ranger son bois, mais du coup, je m'arrête auprès d'Almar. Du coup. Donc, dehors, j'ai allumé ma pipe. Et c'est pas du tout une odeur de tabac, hein, c'est vraiment une espèce de. Déjà, je mets une espèce de petite poudre un peu noire. Noirâtre dans la pipe que j'allume, et pff, c'est une espèce de grosse bouffée, ça vous pique les yeux, c'est absolument ignoble, mais ça se dissipe assez vite. Et je me retourne vers vous, je dis bon, qu'est-ce qu'on fait pour le vieux? C'est-à-dire que bon, ça m'embêterait un petit peu quand même qu'il nous gêne pour aller un peu plus haut. Il est sympa, hein, je dis pas le contraire, il nous a donné à manger. Après, bon, s'il lui arrive quelque chose pendant la nuit, c'est la vie, hein, j'ai envie de vous dire.
Mais on est d'accord qu'on continue, on va pas redescendre. Pas maintenant. C'est quasiment une journée de marche entière pour une cravate. Ah oui, il nous faut le trésor, hein. Puis je fais un clin d'œil à Lemar du coup. Et puis je renchéris. Double, double wink. J'irai où vous voudrez aller. Concernant le vieux, soit on se lève plus tôt que lui et on se faufile, et puis il pensera peut-être bien qu'on est redescendu, sinon. Est-ce que Ah, c'est il est possible? gentil, il nous a offert à manger. Oui, non, mais voilà, il est gentil, hein, il est gentil. Mais bon, le trésor, vous savez, dans la légende, le trésor est décrit comme très opulent. C'est vraiment le mot utilisé, c'est opulent. Et C'est un mot de talent, ça. il y a des gens qui sont gentils, et puis il y a des gens qui ont un trésor opulent. Et à titre personnel, je préfère être dans le deuxième cas, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut une Après, brouette. je veux dire, c'est vous les aventuriers. Moi, je suis là pour raconter vos exploits, hein, globalement. Donc, je vous laisse libre d'organiser votre vie et votre récit personnel comme vous le voulez. Mais à un moment, il faudra continuer. Voilà. Soyez prêts à prendre les décisions qu'il faudra. Ah, mais ça, il n'y a pas de souci, hein. On sait faire. Et je donne un coup de coude à Tobias. Oui, on sait faire. Ok, bon, écoutez, Non, mais Daraman, on n'a qu'à partir avant le lever du soleil. Il fera peut-être un peu froid, mais au moins. ouais, c'est pas grave, il y a plein de peaux de bêtes accrochées à l'extérieur, on en prend une, et puis voilà quoi. Pas bête. On évitera celles sur lesquelles il y a écrit quelque chose, mais bien sûr, très bonne idée. Bon, voilà, parfait. Fait un peu froid. Écoutez, moi j'ai fini ce que j'avais à fumer et on va aller dormir, je pense. Momo, Oui. peux-tu me parler de la substance que tu étais en train de fumer, s'il te plaît? Ouais, c'est une espèce de petite poudre noire. En fait, c'est une espèce de petit caillou, un peu comme qui s'effrite un peu comme de la craie. C'est noir et donc je disperse ça dans ma pipe. Puis quand je l'allume, bah ça fait cette espèce de fumée immonde. Ça stimule pas mal mon intellect pour des visions un peu divertissantes, on va dire. Et ouais, j'en ai toujours, enfin, très souvent la pipe à la bouche, parce que vous avez peut-être vu une fois pendant le voyage, ça faisait un petit moment, il faisait un peu froid pour allumer le truc et j'étais pas hyper sympa à ce moment-là. Même, je vous ai un C'est peu quelque envoyé chose que chier. tu prends régulièrement, on est d'accord? Ouais, c'est quelque chose que je prends assez régulièrement. Tu peux me faire un jet de résistance, enfin de protection contre le poison, s'il te plaît. Oui. Poison, en fait, poison drogue, c'est le même jet, hein, c'est pour ça. Hein, c'est pas un poison. Hein, mais... Ouais. Je... Alors, j'ai fait 16 pour 12, j'ai Très bien, donc réussi. c'est un succès. Bah du coup, ça te fait ton effet habituel, t'es détendu, etc. Ça te fait du bien, mais y a pas d'effet secondaire. Parfait. Si ce n'est voilà, le côté relax, etc. Mais Ouais, c'est pas je négatif, quoi, on va dire. Tu vois, tu t'as pas un bad trip ou Ouais, comme ça, quoi. effectivement, je parle un petit peu moins et j'ai l'air un peu content dans mon coin. Voilà. Et je retourne me coucher, je pense. Ok. Moi, je vais prier un peu pour préparer des nouveaux sorts. Si tu l'autorises, je voudrais supprimer bénédiction et ordre et prendre à la Alors, place. ordre, alors, juste pour le système de magie, pardon. Ouais. En fait, tu peux pas oublier volontairement un sort. Ordre, vu que tu l'as lancé, tu l'oublies, entre guillemets. Donc, tu peux remplacer ordre par autre chose. Ouais. Par contre, bénédiction, pour pouvoir t'en débarrasser, il faut le lancer. Alors même pour le clerc, qui du coup a accès à tous les sorts de clerc. De mémoire, c'est ça, hein, la Ok. magie. Non, non, mais pas de. Non, mais je peux vérifier, hein, mais. Si c'est que ça, je me lance une bénédiction. Malin. Bah non. Bon, c'est peut-être un peu méta, mais en soi, je suis censé savoir comment fonctionne ma Non, oui, magie. non, c'était purement méta comme précision. Hein. Non, non, mais pour moi.
Donc, je peux garder bénédiction. Dans ce cas, je supprime juste ordre. Et... Non, mais on ne l'avait pas précisé. Donc, fais ce que tu veux sur ce tour-là. Et les fois d'après, tu le feras. Mais ça ne me dérange pas. Je peux garder bénédiction sur ce tour-là. Enfin, sur ce shift, ce n'est pas un problème. Et je vais remplacer ordre par sanctuaire. Ça marche. Il faut que j'aille regarder ce que c'est. Tu le mets dans ta fiche, les effets ou pas ? Je suis en train de le... Non, comme ça, là, si jamais tu l'utilises, j'irai voir. Parce qu'il y en a tellement. Ouais, non. Je ne sais pas tous en tête. Allez, Jack, je retienne un minimum les règles. Donc... pas de soucis. Du coup, pendant que tu es en train de prier, préparer tes sorts, donc on a dit que Almar, il était content dans son coin, qui rigolait tout seul. Alors, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Tevias, Ulf, vous faites quoi ? Je vais dormir une fois que... tout de suite. Vous allez dormir. Je vais aider le vieux à ranger ses derniers fagots de bois et puis après, en rentrant, j'épousse la peau et je me couche. Alors, il te remercie puis il te met une grosse tape sur l'épaule avec sa grande main, là. Donc, c'est un peu... tu vois, tu fais un petit geste comme ça vers l'avant, là, tu vois. mais voilà, c'est un remerciement qui est de plus chaleureux. Et de rien. En position fœtale pour économiser la chaleur. Ok. Donc vous allez tous vous coucher après ça, j'imagine. Mm-hmm. Yes. Et du coup, on se réveille avant le... Voilà, la nuit passe. Qu'est-ce que vous faites ? Sachant que je zappe les heures où vous dormez, du coup, il ne se passe rien. Donc, Moi, j'imagine que vous entendez, ce soit... Vous entendez le monsieur ronfler très fort. mais en dehors de ça, il ne se passe rien. Moi, j'imagine qu'on se lève, on s'arrange pour se lever avant lui, peut-être avec un système de tour de garde ou autre. Et comme ça, au petit matin, une fois qu'on est tous suffisamment reposés et avant qu'il se réveille, on plie bagage. Ça me paraît être une bonne idée. Mais moi, c'est quelqu'un qui va me réveiller, c'est sûr, parce que j'ai tendance à dormir. Je viens de te réveiller. Je viens de te réveiller, mais sans le masque. Et je suis à 3 cm de ton visage. Je te plaque la main sur le. Pour voir comment j'ai agi. Je te plaque la main sur la bouche et le nez. C'est pour que tu te réveilles d'un seul coup. Une fois que tu es réveillé, je te fais. J'ai 5 secondes de panique. Et puis, même une fois que je me calme, j'ai toujours mon cœur qui bat 100 à l'heure. Mais au moins, je suis réveillé. Fait évidemment pas de bruit. Oui, bah oui, j'ai pas pu. D'ailleurs, si vous avez fait le tour de garde, si vous avez fait le tour de garde pendant la nuit, vous vous rendez compte qu'arrivé à cette hauteur-là, il y a très très peu, il y a beaucoup moins de bruit. Quand vous étiez encore dans la forêt, il y avait beaucoup de bruit, les animaux et tout ça. Puis plus vous montez, plus ça s'estompe en fait. Ok. Donc ça a été une nuit très calme, mais vraiment très calme du coup. Hein. D'ailleurs, bien dormi, il n'y avait pas eu tous ces ronflements. Voilà, d'ailleurs le propriétaire des lieux, lui, sa hutte elle est ouverte, il n'y a pas du tout de pression, il n'a pas l'air du tout inquiet de se faire attaquer ou quoi que ce soit pendant la nuit. Hein. Donc normalement, dehors des ronflements, vous avez passé une nuit plutôt reposante. Ah, il est temps de partir, qu'en pensez-vous ? Allons-y. Et on prend la route ? Et vous prenez la route. Okay. Vers le sommet. En toute discrétion. Ça marche. Donc à mesure que vous vous êtes éloigné de la forêt et de la hutte de Zeke, vous n'avez pas demandé son nom, mais voilà, je vous donne son surnom, la végétation s'est faite de plus en plus rare, la vie aussi. Les insectes qui étaient déjà peu présents sont désormais inexistants. Un vent puissant, grondant, vous fait face, comme pour vous dissuader de poursuivre votre route. Les rares arbres qui restent sont morts, en fait, et projettent des ombres un peu torturées au sol, même avec le ciel, en tout cas le peu d'ombre qu'ils arrivent à projeter, vu que le ciel est quand même très maussade, très gris, à mesure que vous montez, vous voyez les nuages de plus en plus. Et lorsque vous passez la dernière crête,
Le vent s'arrête complètement. Il n'y a plus aucun son. Comme si toute la montagne, comme si tous les êtres de la montagne retenaient leur souffle, en fait, à partir de cet endroit. Au bout de quelques pas, vous voyez arriver un cimetière surplombé par une cabane. Et Almar, de son ouïe très très fine, perçoit en fait un espèce de bruit étrange, à peine audible. Quelque chose de vaguement inarticulé, de pénétrant. On ne sait pas vraiment si c'est le vent ou si c'est vraiment un bruit qui vient de quelque part. Quelque chose d'incessant, presque comme les crissements d'ongles, vous savez, sur un tableau, là. Mais c'est très bizarre parce que les autres ne l'entendent pas encore à ce moment-là. Il n'y a que toi qui entends ça, mais de façon très, très diffuse et en même temps très pénétrante parce que c'est un son assez particulier, mais sans vraiment savoir d'où ça vient. Comment tu réagis? Bah, j'allume ma pipe. Parce que ça me stresse un peu tout ça. Et donc là, vous voyez que je l'allume, mais que j'ai l'air un peu moins détendu que la dernière fois que je l'ai fait. Et je vous fais un petit signe pour vous arrêter. Je dis, vous entendez ça? Ça, c'est le bruit de l'aventure. Super. Elle commence quand, du coup, cette aventure? J'entends rien. Ah, vous entendez pas? Ah bah c'est parce que vous n'êtes pas assez près. Je pense que si vous approchez, vous entendrez un peu mieux. Oui. Et quel genre de bruit? Bon, le genre où moi je tirerais mon épée à votre place quand même. Eh bien, du coup, Ninidush sort mon arc. Et puis, je fais mine d'être très confiant, mais peut-être certains... perçoivent une petite pointe d'anxiété sur mon visage. Et j'avance petit à petit. Je sors mon arbalète, mais je n'avance pas petit à petit. Moi, du coup, pareil, je sors ma masse et je reste collé à Hul. Je regarde mes compagnons, je vois que personne n'a l'air de prendre le devant, donc, du coup, je tire ma rapière et je commence à avancer. Arman, je te glisse à l'oreille. De toi à moi, ça ressemble à des bruits d'ongles, peut-être des morts vivants. J'en sais rien du tout, c'est juste pour le fluffer, en fait. Ça, c'est le mec qui sait, en fait. Tu vois, il fait comme s'il savait, tu vois. C'est ça, ça doit être des morts vivants. Très certainement. L'expert en carton, quoi. Merci de me prévenir. C'est fort aimable. Nécessaire, pas d'inquiétude. Et j'avance. Alors, en avançant à votre droite, vous apercevez un peu de loin un immense chêne, immense, beaucoup plus grand que les autres, complètement mort, comme les autres par contre. Et la seule chose que vous voyez à cette distance, c'est un morceau de corde qui pend et qui se balance avec... qui se balance un peu, mais très légèrement, parce qu'il n'y a plus autant de vent que tout à l'heure, mais il y a une légère quand même brise qui continue, elle fait juste pas de bruit, il n'y a que le bruit qu'elle m'a entendu. Mais le nœud coulant a l'air est au sol, en fait, il est rompu. Ça, le bruit que j'entends, il vient d'où? Déjà, tu m'as dit, mais... T'arrives pas à le définir pour l'instant. Ouais, c'est mais ambiant. Plus vous avancez, plus ça s'intensifie, mais tu sais pas d'où ça vient exactement dans l'immédiat, quoi. Et donc, c'est assez bizarre quand vous regardez cet arbre, c'est tellement énorme et torturé, etc., qu'on dirait presque plus une sculpture qu'un arbre de bois. Et d'ailleurs, vous avez un peu observé les alentours en quittant la hutte tout à l'heure ou pas du tout? Vous êtes parti directement vers le nord? Moi, je suis parti tête baissée. Ouais, moi aussi. Parce qu'il faisait un peu sombre en plus. Okay. D'accord. Donc voilà. Donc l'arbre, il est assez impressionnant par sa forme et son apparence. Mais vous n'êtes pas côté à côté. Vous êtes quand même à quelques mètres. Donc vous pouvez l'observer, mais sans plus. Il est beaucoup plus grand que nous, c'est ça? Ah oui, c'est vraiment un gros chêne. Ah, ok. Ah, c'est un énorme chêne.
enfin, ce qui aurait été un chêne, hein, s'il y avait un feuillage là, c'est difficile à définir, mais ça pourrait ressembler, tu sais, vraiment au vieux chêne assez volumineux, quoi. Et comme je dis, c'est assez pour avoir une corde de pendu dessus, donc il faut oui, tenir un homme dessus quand même. Mm. Donc en termes, c'est quand même assez balèze. Et face à vous, donc s'étale un cimetière, des centaines de pierres tombales, des douzaines de mausolées, des statues, et toutes taillées de façon assez atroce, assez peu de talent. Très brusque, et vous reconnaissez peut-être même un peu le style, la main de Zeke, en fait, dans sa façon de, où il faisait ses petites statuettes sur son, vers sa hutte. Voilà, vous reconnaissez un petit peu sa patte, entre guillemets. Je ne l'ai pas précisé, pardon, tout à l'heure, je crois, quand il vous a parlé de ce qu'il savait, mais en gros, ce qui s'est passé, ce dont il vous a parlé, de tous ses morts et tout, c'était il y a 50 ans, à peu près. Okay. D'accord. Voilà. Ça, il faut quand même que vous. Voilà, comme ça, vous avez une échelle. Donc là, vous êtes en journée. Donc, c'est vraiment un épais brouillard qui occulte un peu la zone, qui pèse comme ça. Tout est humide, tout est moite. Et bien lugubre, quoi. Donc, finalement, on voit pas devant nous. On y voit devant nous peut-être 5, 6, 10 mètres, quoi. Avec le brouillard. Oui, enfin, vous pouvez entrepercevoir la silhouette de la cabane quand même. Ok. Donc c'est pas un brouillard extrêmement épais, mais quand même, vous sachant que de façon totalement méta, si vous regardez sur la carte, une case, c'est à peu près 3 mètres, quoi. Ok. Pour vous donner un ordre de grandeur. Ouais. Donc qu'est-ce que vous faites? Nous, on avance. Nous, on suit Darama. Ouais, je prends la tête et j'avance doucement en vérifiant, en écoutant les tombes, voir si j'entends des grattements. Je tiens mon symbole sacré de ma main libre. Moi, je laisse les autres prendre de l'avance. Et j'ai clairement encoché une flèche. Un peu comme. Sur le spray. Ouais, pareil, j'ai pris une arbalète. Ouais, vous êtes équipés. toi, Darama, avec ta sensibilité, tout ce qui est un peu occulte, etc., du fait de ton rôle de prêtre, tu sens que ça va au-delà de... Enfin, c'est pas juste une ambiance glauque parce qu'il y a du brouillard, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose de pesant et de lourd. Et d'ailleurs, à mesure que vous avancez dans le cimetière, que vous vous approchez... dans le cimetière, là vous commencez à percevoir le bruit, et c'est vraiment quelque chose de pénétrant, de presque physique comme sensation, et ça vous semble émaner du sol, de vers la cabane, vous n'arrivez vraiment pas à définir, mais c'est un peu global sur le cimetière, même si quand vous vous approchez de la cabane vous avez l'impression que c'est un peu plus intense, mais ça reste vraiment un peu partout, vous avez l'impression que ça vous entoure. Vous avez vraiment l'impression que ça vous entoure. Mais en dehors de ça, en dehors de ce bruit désagréable, vous ne percevez aucun signe de vie. Ok. Je me retourne vers Hul dans ce cas. Et je lui mets la main sur l'épaule. Et je le regarde, je fais... Prépare bien tes flèches. Et je lui lance une bénédiction. Donc tu reçois un certain nombre de points, 1 des 6 plus niveau de lanceur du clair, que tu peux distribuer sur des futurs jets. Je sais pas si c'est à moi de lancer un des 6 du coup. Ça serait logique que ça soit le clair qui lance, puisque c'est lui qui lance avec la force de son pouvoir, entre guillemets. Et mon niveau de... Plus ton niveau de lanceur qui est de 2. Mon niveau de lanceur, donc c'est 1 des 6 plus 2. Bah oui, parce que t'es niveau 2 du coup. As donc 7 points que tu peux distribuer comme tu veux sur tes attaques. Exactement. Super. Tu pourras me dire, je veux mettre tant de points. T'es pas obligé de tout mettre sur un seul truc. Okay. Attaque, protection, compétence, surprise et ou autre G. Donc ça, j'imagine que ça marche aussi pour les jets de compétence, sauf les jets de dégâts. C'est-à-dire que tu peux pas augmenter les dégâts. Oui, bien sûr. Et par contre, je dois l'annoncer avant de lancer. Ou je peux les rajouter après. Oui.
tu peux pas compléter. Bah... Ouais, je peux pas compléter. Ouais, non, non. Non, non, pour moi, c'est vraiment sur les futurs jets, donc c'est au moment du jet qu'il faut les. Il doit les le c'est ça, c'est marqué. Il doit le déclarer avant de faire son jet de dé. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tous les points qui ne sont pas utilisés à l'aube du jour suivant sont perdus. Donc tu as toute la journée pour le faire. Je précise que les elfes, t'as vu, hein, les elfes et les créatures intrinsèquement magiques ne peuvent pas décider. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai fait sur Hul et pas sur les deux autres. Je sais pas si les alphelins, non, du coup je sont considérés comme magiques, mais je pense pas. Bon, a priori, non, ils ont pas de sort, ils ont pas de. Ouais, ils l'auraient précisé vu que c'est une classe, ils ont précisé elfes, tu vois, mais. Ouais, ouais. Je pense que ça aurait été sur un magicien ou sur, tu vois. Ouais. Après, mon choix est un peu. Un magicien. C'est-à-dire qu'entre un nain de jardin. Il veut manger des tourtes et un mec qui manie l'arc avec une armure de cuir. Oui. Le choix a été vite fait, c'est ça? Le choix a été vite fait, ouais. Ok. Puis le alphelin, il fallait se baisser pour lancer le sort. Donc. En plus, ouais. Avec ça, la rose et tout, c'était compliqué. Ouais. Difficile. Bah, tu m'étonnes. Ok, très bien. Bah, du coup, je vous laisse poursuivre votre... Ouais, poursuivez votre truc. Bah, du coup, j'avance. Je vous suis. Hein. En suivant le chemin. Bah, je me sens regardé, moi. J'ai l'impression de. Je sais pas, de briller. Techniquement, vous pouvez avancer jusqu'à la cabane sans vous arrêter, là. Hein, parce qu'en termes de distance, on est à peu près. Je pense que c'est bon. À la louche, c'est bon. Je veux pas trop vous embêter avec ça. Bah, une fois arrivé vers la cabane. Vous allez directement à la cabane, c'est ça? Vous allez directement oui, à la cabane. À moins qu'il y ait quelque chose qui attire notre attention sur le chemin pour y aller, mais effectivement, moi je me dis que c'est déjà profaner les tombes. Si vous voulez fouiller ou si au contraire vous allez direct à la cabane. Moi je jette des petits coups d'œil sur les tombes pour voir ce qu'il y a écrit dessus. Ok, bah tu vois. Alors. Celles qui sont fermées, etc., sont plutôt en bon état. Là, c'est pas trop matérialisé sur la carte, mais par endroit, il y a vraiment des tas de terre, etc., assez importants. Donc, c'est là où tu te dis, bah voilà, Zeke, il a parlé de fosses et de choses comme ça, de milliers de morts. Tu comprends que c'est pas juste les tombes qui sont visibles. Ça va au-delà de ça. Mais elles sont plutôt un peu plus sur éloignées. Près du chemin, c'est principalement des tombes. Elles ont l'air bon, couvertes de neige, bien évidemment, mais il y a certaines qui sont plus ou moins en bon état. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de bois. Tout est en pierre. Ah, pourtant, quand tu regardes bien, le bois, les tombes ont un aspect de bois, mais comme s'il était totalement pétrifié sous forme de pierre. Okay. C'est okay. Tout ce que tu constates. Et du coup, tu as dit qu'il y avait des tombes qui sont ouvertes? Qui sont un peu brisées, un peu vermoulues. Enfin, elles auraient été vermoulues, mais elles se sont pétrifiées depuis. Ouais. Quoi, tu vois, donc... Mais c'est pas la tombe qui est ouverte, c'est la pierre qui est un peu pétée. Oui. Oui, d'accord. Non, c'est juste cassé, en fait. C'est bah, okay. Tu sais, un aléa, une chute de pierre. Ouais, on est en montagne, hein, donc. Et il y a des noms écrits sur ces pierres? Au niveau des statues, notamment, vous allez voir quelques noms. Vous reconnaissez aussi l'écriture du monsieur qui vivait un petit peu plus bas. Donc, à ce moment-là, peut-être que tu peux comprendre que, en fait, ceux qui avaient déjà des sépultures, il s'est simplement contenté de finaliser les sépultures quand il l'a pu. Mais que ceux qui étaient. Enfin, il n'y a pas que son écriture d'ailleurs, il y a aussi d'autres écritures. Hein. Mais il y a principalement la sienne. Et que peut-être ceux qui n'ont pas eu de sépulture, bah, c'est ce qu'il fait avec les peaux de bête en bas. Ouais, à supposer. Ça peut être une supposition. Tu vois. Ok. Sans certitude, bien évidemment, mais c'est une possibilité. Rien qui brille jusque-là. Bah, je rejoins les autres. J'en dis, vous entendez ce son? C'est horrible. Ouais, c'est pas agréable, mais c'est ça l'aventure. C'est ça l'aventure. Ouais, ouais. C'est pas très beau. Manifestement, pas toujours drôle. C'est que le début. Exactement. Et en tout cas, rien de brillant à l'horizon. Continuons à chercher, mes amis.
Là, je vois que vous êtes positionné vers la cabane. Ouais, on a... Donc, quand vous regardez la cabane, à gauche, vous voyez juste le puits, il n'est pas masqué ni rien. Moi, je vais prêter l'oreille, voir si j'entends des bruits qui proviennent de la cabane. Et je vais en faire le tour, et le tour du puits notamment. Rien de plus que le bruit que vous entendez depuis le départ. Même pas un petit chant d'oiseau, rien du tout, hein. Pas le bruissement d'un insecte, absolument rien. À part ce bruit un peu étrange qui vient, comme je disais, à la fois du sol, de la cabane, vous savez pas trop quoi. Même si ça s'intensifie au fur et à mesure que vous avancez, c'est difficile à dire si c'est parce que vous avancez dans, dans le secteur ou si c'est parce que vraiment c'est dans la cabane quoi. Ok. Ça vient un peu de partout quoi. Du coup, s'il n'y a pas. Mis à part ce bruit constant, plus d'indices, je vais me rapprocher de la porte de cette cabane. Il n'y a pas de fenêtre à cette cabane ? Alors, il y a des fenêtres, mais elles sont, alors elles sont intactes, mais tu vois bien qu'en fait, elles ne sont pas faites pour s'ouvrir. Est-ce que tu veux regarder à travers ou est-ce que tu regardes juste s'il y a des fenêtres ? Oui, je vais regarder discrètement à travers, du coup. Quand tu regardes le verre, il te paraît un peu surprenant parce qu'il est assez très très froid, mais vraiment très très froid, presque comme de la glace, et un peu déformant, très épais, pas ce que tu attendrais. En fait, c'est pas fait pour s'ouvrir ou ce genre de choses, quoi. C'est vraiment un bloc. Quand tu regardes à l'intérieur, tu vois vaguement des formes, mais c'est très très déformé par l'opacité et la forme du verre de la fenêtre. Peut-être qu'elle est par là, la fenêtre, c'est ça? Il y en a un petit peu autour. Autour, un peu tout autour. Ça dépend de ce que tu fais. C'est pas du verre, mais c'est de la glace, si j'ai bien suivi. En tout cas, c'est vraiment très très froid et ça ressemble plus à de la glace qu'à du verre, quoi. Ouais. Et c'est très épais. D'accord. Faudrait peut-être toquer. Moi, j'y connais rien, donc je regarde Hull en mode faut toquer. Au niveau du bruit, là, on est où? Toujours pareil. Pardon? C'est toujours un peu partout ou on sent que ça vient de la cabane? T'as la sensation que ça s'amplifie en venant de la cabane, mais il y a toujours ces émanations du sol aussi, cette espèce de vibration qui vient, comme si le son traversait le sol aussi, quoi. Donc c'est compliqué à définir, même si t'as l'impression que ça s'intensifie avec la proximité de la cabane. Ok. Je vais coller mon oreille sur la porte, voir si j'entends des sons à l'intérieur. Rien. Rien de plus que ce que t'entends déjà. Et je peut-être que c'est assourdi par le bruit. Peut-être qu'il n'y a vraiment rien, mais en tout cas, t'entends rien. Je vais regarder un œil au puits, voir s'il est rempli déjà, si l'eau est gelée, si ça a l'air profond. Je vais prendre un caillou. S'il n'y a pas d'eau dedans, je vais prendre un caillou à côté et le laisser tomber dans le puits. Mmh. D'accord. Alors, quand tu t'approches, tu constates que le treuil et le seau du puits sont pétrifiés, eux aussi. D'accord. Treuil et seau qui théoriquement sont faits en bois, hein, donc c'est pour ça que je le précise. Mmh. Donc là, sont totalement pétrifiés. Quand tu regardes, tu vois l'eau un peu plus au fond. Elle a l'air fraîche, étonnamment pas gelée. Okay. Donc t'as même pas besoin de. Enfin, si tu jettes un caillou, ça va juste faire plouf, quoi. Mais d'accord. C'est okay. Tout. Voilà. C'est tout ce que tu vois. Donc un puits avec de l'eau qui semble pas gelée ni rien. Et... Okay. Est-ce que je peux décrocher le seau du treuil ? Si tu fournis un effort particulier, tu peux essayer, ouais. Alors, explique-moi, fournir un effort, du coup. C'est pas une action particulière. Je pense que ça peut être avec la force, par exemple. Un jet de force réussi, par exemple, te permettrait d'actionner le mécanisme. Ouais. On va tenter. Eh bien non. Du coup, tu forces, mais on est peut-être un peu fatigué ou t'as peut-être un peu froid, mais t'as du mal à actionner la manipulation. Ok. Bon, j'insiste voilà. Pas et j'insiste pas. Tu sens que ça peut bouger, mais c'est juste que t'arrives pas à le pousser, quoi.
Ouais, je. Pour le coup, j'en parle pas nécessairement aux autres. Je sais pas s'ils regardaient ou pas, mais je regarde, je tente un peu, j'essaie de voir, j'essaie de forcer, mais ça passe pas, j'ai pas vraiment de temps à perdre avec ça. Du coup, je vais rejoindre les autres au niveau de l'entrée de la porte. Et voyant qu'ils se décident pas nécessairement à rentrer, je vais ouvrir doucement la porte. Sauf s'ils font quelque chose avant, bien évidemment. Non, en plus de ça, je te dis, de toute façon, Zeke nous a dit qu'il y avait personne dans cette montagne. Allons-y, quoi.